Tu me touches une autre fois, puis tu verras plus jamais ta fille. Quoi, Flo? Plus voir ma fille? Tu peux pas faire ça, Flo. Oui, je peux le faire. Je vais le faire s'il faut, OK? T'as compris? Mais qui reste Rodin? Mais qui reste Rodin? Sache, écoute! Sache que ni toi ni personne, hein? Ni toi ni personne vont m'empêcher de voir ma fille. Ni toi ni personne va m'empêcher de voir ma fille, tu comprends? Et bien neuf! Nadie! C'est correct. Bitch, yo, qu'est-ce que tu veux à ma femme? Recule, elle t'a dit. Elle est mate, ok? Yo, c'est correct, viens. Viens, Emilio, on s'en va. Ouais, vas-y, Emilio. Non, pas avant que j'ai réglé son problème à ses fils de pute. Pourquoi tu te sépares avec un homme? Vas-y, si t'es capable. Bien sûr, j'ai appris quelque chose, ouais. Qui me manque une fucking jambe. Ceux qui m'ont fait ça, là, ils sont morts, crois-moi. Bon, change de sujet. Je suis quand même content de voir que tu vas bien. Même si tu t'es quand même fait avorter sans me demander la permission. Tu sais que ça se fait pas, ça. Tu sais pas. Sérieux, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Ouais, mais t'aurais pu quand même, mais... Donc, qu'est-ce qui va pas? Je veux juste t'amener de vivre dans la violence. Si... J'ai pas envie que ma vie grandisse là-dedans, là. Moi non plus, j'ai pas envie. Les choses vont changer. Je vais essayer de m'y prendre en main. C'est quoi que tu veux faire? Tu veux quitter le Tibicou? Ça, je peux pas. C'est pas aussi facile que ça. Ouais, ben... C'est vraiment rassurant, là. Ça veut juste jamais changer. Ah oui, ça va changer. Juste fais-moi un peu confiance. Non, Emilio, là. Check, on a essayé. D'aller jusqu'au bout, mais ça marche pas. Écoute, on peut toujours essayer, ça. Non, Emilio, on peut pas essayer. Comment tu peux me faire ça, Dan? Dans ma situation. Finalement, tu n'es qu'une sale pute, franchement. Mmh.